Alors bonjour, choisi de Jésus. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous souhaiter un joyeux Noël. Une grande fête arrive très bientôt et c'est la naissance de Jésus. Et je souhaite qu'il naisse dans chacun de vos cœurs, que l'amour vous transforme et que ça puisse rejaillir sur tous ceux que vous aimez, vos proches, vos familles, vos amis. Je souhaite aussi que la nouvelle année pour vous soit vécue dans l'humilité, dans la confiance et dans l'abandon, qu'il va prendre soin des moindres détails dans chacune de vos vies. Alors, sur ce, passez vraiment de belles fêtes avec tous ceux que vous aimez. Bonjour, cher et choisi de Jésus. Je viens d'allumer un lampion à vos intentions, afin que tous vous puissiez passer un joyeux Noël et une heureuse et sainte année. À cette période des fêtes, quand lorsqu'on arrive en décembre, beaucoup de gens sont préoccupés par une chose, l'achat des cadeaux. À qui on va donner le cadeau? Des personnes qu'on aime, qu'est-ce qu'on peut bien lui choisir pour qu'elle puisse être heureuse. Mais n'oublions pas que la fête de Noël, ce n'est pas notre fête à nous, mais c'est celle de Jésus. C'est Jésus qui s'est incarné et par son incarnation, lui, il nous a donné le plus beau, le plus grand, le plus important des cadeaux. Par ce qu'il a apporté, par ses enseignements, par sa présence avec nous depuis 2000 ans. C'est le cadeau que nous n'avons jamais fini de déballer. Et plus nous le déballons, plus il est important, plus il est beau, et ça nous permet même d'en découvrir d'autres. J'aimerais attirer votre attention sur un des cadeaux importants que Jésus nous a laissés lorsqu'il est venu sur cette terre, celui du Notre Père. Et dans la prière du Notre Père, il nous a fait dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Son règne est sûrement un règne d'amour. Sa volonté, c'est que l'amour règne sur la terre comme au ciel. Je me suis souvent interrogé, puis je m'interroge encore. Comment il se fait qu'après 2000 ans, alors que nous avons été certainement des milliards de personnes sur la terre à réciter cette prière, et qu'elle ne s'est pas réalisée encore? Et ma réflexion, ce que je comprends, c'est peut-être que nous vous aimerions qu'elle se réalise chez les autres, et nous avons oublié que c'était par nous qu'il devait passer. C'est nous qui avons besoin d'être transformés par sa présence. C'est nous qui devions mourir à notre orgueil pour devenir plus petits, plus humbles, et enfin que nous puissions nous laisser transformer par son amour, pour que son amour soit tellement présent en nous qu'après, qu'elle passe à travers nous pour rejoindre les autres. Alors voilà le vœu que je formule pour chacun de vous, afin qu'au cours de cette nouvelle année, de l'année de 2020, soit réellement l'année où nous puissions commencer à vivre cette belle prière que Jésus nous a enseignée, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et à chacun et chacune de vous, je dis joyeux Noël, heureuse et sainte année 2020. Yeah.
Bonjour. Noël. Noël, c'est synonyme d'une grande fête, d'une grande joie. Eh bien, en ce temps de Noël, je vous souhaite d'accueillir cette joie, parce que c'est en accueillant l'amour que la joie vient. Fait que pour ce temps des fêtes, je vous souhaite à vous, à vos familles, vos amis et tous ceux que vous portez ici dans votre cœur, que vous puissiez vivre la joie en abondance et je vous dirais même contagieuse. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année remplie d'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Demandons à Jésus que par cette petite lumière, que nous soyons tous transformés et que nous devenions tous des lumières à travers le monde de ténèbres que nous vivons. Et ainsi, ça va permettre à une multitude de personnes de découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie et un nouveau bonheur. Bonjour, cher choisi de Jésus. Nous sommes à la veille, pour nous en tout cas, à la veille des fêtes de Noël. Et puis, j'aimerais en profiter pour vous inviter à fixer votre regard sur l'enfant de la crèche. Comme vous voyez, il n'est pas encore là, il n'est pas encore né pour nous. Mais je vous invite à fixer votre regard sur l'enfant de la crèche et à prendre quelques moments pendant ces fêtes, pendant ces activités que vous aurez pendant Noël, pour vous recentrer sur Jésus, pour faire en sorte qu'il naisse pas seulement dans la crèche, mais dans vos cœurs aussi, et que pendant toute cette nouvelle année, qu'il puisse vous accompagner et puis être tout près de vous, et puis que vous puissiez être vous réfugier aussi en lui. Donc, je vous souhaite tout cela, et je vous dis aussi un joyeux Noël et une très sainte année 2020. À bientôt! Ô Marie, dans ton grand manteau,